gars, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre try on haul. J'ai fait des petits achats, comme vous pouvez voir, Il y aura Zara, il y aura Pull&Bear et il y aura Stradivarius. J'ai pris beaucoup de choses au Zara, mais pour Pull&Bear et Stradivarius, j'ai pas pris beaucoup de choses. Donc ce sera vraiment vite fait, je crois, c'est un ensemble pour Stradivarius et je crois un autre ensemble pour Pull&Bear. Ouais, je crois que c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des likes, les gars. C'est super important, les likes. Il faut que la famille, elle grandisse. Activez la cloche parce que, en fait, quand je poste une vidéo, ben, vous êtes au courant, tout simplement, genre en mode VIP, quoi. Voilà. Bref, voilà, c'est parti. Waouh, I'm shocked. Genre, en fait, là, c'est bien beau, hein, tout ça, hein, franchement. Je sais pas les gars si vous pouvez voir, je lève comme ça vous voyez ce qui se passe. Mais le pantalon, il va de là jusqu'à là. Genre en mode, il n'y a rien qui dépasse. Genre, il vient du Pull&Bear. Waouh, il est magique le pantalon. Et c'est du XS, en fait ça me va parfaitement. Parce qu'en fait, XS du Zara, des fois ça flotte comme ça, c'est trop grand. Alors que là, les gars... Waouh, je suis choquée. Il n'y a absolument rien qui dépasse. Les fesses sont respectées, la taille est respectée, la longueur des jambes est respectée. Genre, qu'est-ce qui n'est pas respecté avec ce pantalon, les gars? Vraiment, qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Genre, tout a été respecté. Oh, waouh. Le pantalon, je le valide genre en mode plus plus. Regardez, les gars. Vous voyez le pantalon? Non, mais... J'aurais mis avec un haut différent. J'aime bien qu'on voit de la peau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aime montrer la peau. Que dire? Que dire? Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours des tenues vertes. On dirait que les tenues vertes me vont toujours à merveille. Vous voyez ou pas le truc? Incroyable. J'ai pris cette petite veste. Je la trouvais vraiment super mignonne. Et elle était carrément pas chère. Genre, est-ce que vous y croyez ça? Elle coûtait 45 pounds. Je trouve que c'est carrément pas cher. Je l'ai pris en large parce que j'aime bien qu'elle soit, elle soit un peu grande, tu vois. Tu mets ta petite écharpe comme ça, papapap, t'enroules. Après ça, it's giving. Non, franchement, j'aime bien la veste. Donc ça, c'est du large, hein. Dites-vous, j'ai pris du large. Je pense que si j'aurais pris peut-être du medium, ça aurait été trop petit pour les bras parce que... En général, j'ai l'impression que c'est ça que ça fait. C'est vraiment la veste d'automne parfaite, je pense. Parce qu'elle n'est pas trop chaude. Elle n'est carrément pas chaude. Mais elle n'est pas genre en mode hyper légère non plus, tu vois. Et ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime bien, en fait. J'aime vraiment beaucoup, en fait, tu vois, cet effet de... Tu vois, genre grand, grand. T'as la place pour des gros bras, quoi. Tu vois, enfin, genre comme ça, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, c'était les deux... C'était les deux articles du Pull&Bear, donc voilà. Pull&Bear, c'est validé. Maintenant, on va passer au Stradivarius. Stradivarius. Donc, Stradivarius, ce sera un peu plus sexy. Je tiens à prévenir. Attention, sexy is coming. This is really, really cute. J'aime vraiment beaucoup ce petit truc, genre vraiment. J'aime trop. C'est en fait un short, en fait, genre une jupe short, voilà, que j'ai pris au Stradivarius parce que je la trouvais hyper mignonne. Genre, je la trouvais vraiment trop trop mignonne. J'aimais bien la coupe et tout. Par contre, voilà, ben, c'est court. Voilà, c'est vraiment ras des fesses, comme vous pouvez le voir. Mais franchement, j'aime. I like it. I like it. This is a yes. Franchement, en plus, elle fit parfaitement à ma taille. Genre, elle fit parfaitement bien. Je crois que j'ai pris quelle taille? Voilà, c'est du 36. J'ai pris du 36. On a le haut qui va avec. C'est un haut comme ça. Je vais le mettre. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Franchement, le haut, je kiffe. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop mignon. Il prend bien, en fait, le corps. Je crois que c'est pas un ensemble parce qu'en fait, les motifs, ils sont similaires, mais ils sont pas pareils. Genre, ils sont clairement pas pareils. Et ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus foncé que ça. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez le voir? Je sais pas. Est-ce que c'est juste moi? Mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas pareil. Le haut est cute. Le bas est cute. Après, ensemble, je sais pas. Je sais pas. Enfin, si, je sais. En fait, non. J'aime pas. J'aime pas, personnellement.
Les deux ensemble, je n'aime pas. Le haut, il a des... comment ça s'appelle ça, les gars? Je sais pas, c'est straps, je sais plus. Mais ça, je sais plus comment ça s'appelle. Des bretelles, c'est des bretelles. Bref, des bretelles qui sont ajustables, qu'on peut ajuster. Franchement, le français là, hey, c'est le français qui est difficile comme ça. Waouh. Ouais, c'est des bretelles qui sont ajustables. Donc moi, je trouve ça vraiment super parce que j'ai l'habitude de couper les bretelles et de les recoudre, les gars. Genre, c'est ça ma vie. Voilà. Mais ouais, ça prend parfaitement le corps. On dirait que ça a été limite fait pour moi. Genre, les seins, c'est cute et tout. Et yeah, voilà. Premier article du Zara, des CZ. Je pense que vraiment pour ce genre de choses, il faudrait styliser tout, tu vois. Genre, c'est mignon, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui va avec. Ouais, je l'ai vu, je trouvais ça grave chou. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais pas, en vrai, j'hésite grave. J'aime bien, mais j'aime pas. Genre, en mode, c'est entre les deux. Juste pour vous dire, je suis balance, voilà. On est en octobre, c'est bientôt mon anniversaire. Oui, je suis une balance, donc je suis tout le temps en train de peser le pour et le contre, le oui, le non. J'aime bien le style parce que ça me fait penser aux années 90, je crois, à l'époque des Destiny Charles. Bref, elle est vraiment bien la matière, elle est douce, c'est tout sur la peau, c'est vraiment bien comme matière, rien à dire. Donc voilà les gars, ce que ça donne, le tulle, il est super cute le tulle, franchement, je pense que c'est un basique à avoir. Alors je vous montre ça, c'est vraiment trop cute et tout crop topé comme ça. La jupe, elle est trop cool, genre elle est trop, en fait la matière elle est trop douce en fait, genre c'est trop cool, genre la matière, yes. Elle est vraiment cool. Ouais, je pense pour l'hiver, je trouve que c'est un bon plan. Ça, en fait, c'est hyper serré. Du coup, j'ai eu du mal à passer ma tête. Le pull, il est vraiment super chaud. C'est pour les gens qui ont des longs bras comme moi. Je trouve que il va pas jusqu'en dessous. Bon, c'est vraiment minime, tu vois, mais en mode, voilà quoi. Si tu aimes bien que ça, là, les manches, elles tombent jusqu'à tes pouces, ben en fait, c'est pas trop le cas avec ce pull, tu vois, donc il arrive quand même un petit peu en haut, mais il est tout à fait portable. Ouais, franchement, c'est pas mal. Voilà, les gars, genre, là, c'est la jupe short, elle est trop bien. Genre, en fait, elle me va parfaitement. Genre, vraiment, elle est juste là, parfaitement à la taille. Là, il y a des poches et tout. Genre, franchement, je suis contente. Rien d'autre à dire parce que, genre, je veux dire quoi? Genre, t'as une tirette ici. Hop. T'as des poches. Non, franchement, hyper à l'aise. Hyper à l'aise. Après, bon, je mets jamais les mains dans les poches. Je pense pas que ça arrive d'ailleurs. En plus, c'est tout petit. Donc, c'est vraiment des fausses poches, quoi. Mais ouais, franchement, c'est cool. C'est vraiment parfait. Donc, ce pantalon, il est assez spécial, les gars. Déjà, j'aime beaucoup déjà ce que ça donne, là, comme ça. J'aime beaucoup ce que ça donne, déjà, comme ça. Je kiffe les pantalons comme ça, les gars. C'est trop mes pantalons, j'en ai tout plein, des comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne avec des talons, des baskets, des trucs comme ça. En gros, la particularité de ce pantalon, les gars, c'est ça. Il y a une sorte de corset ou je sais pas quoi, là. Genre mode ça, vous voyez ça, ben en fait ça se met ici. J'ai pris du extra small et c'est pas du extra small, ça c'est pas du extra small. Je suis désolée, attends, je vais checker quand même si c'est du extra small parce que c'est grand quand même. Ouais, c'est du extra small. Est-ce que les extra small de chez Zara ils sont comment là? Moi je comprends pas. Je comprends pas en fait. Extra small, chez Pull&Bear, c'était genre tip top. Extra small de chez Zara, ils sont pas extra small. Franchement, il faut qu'ils fassent des extra small, tu vois. Parce que là, après, c'est frustrant pour les gens. Parce que moi, là, en fait, ce pantalon, j'aime bien le style, mais il est trop grand. Genre, si je veux le garder, il faut que je l'emmène chez le tailleur. Je tiens à m'excuser auprès de Zara. Parce que ce pantalon est taillé
Il est taillé pour moi, on dirait. Regardez les gars, comme il prend bien la taille. C'est ouf, hein, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Genre, j'arrive même pas à y croire que ça vient de chez Zara et que c'est extra small. C'est vraiment le pantalon basique, noir, à avoir. Tu vois, genre en mode, il est bien, il taille bien, il te va bien, il moule bien tes fesses. La matière, waouh. Je parle même pas de la matière. J'ai l'impression d'avoir un voile sur moi, genre c'est hyper doux. Tu peux aller avec tous les looks, un look décontracté, un look classe, un look, tu vois, genre de tous les jours. Genre vraiment, yes, yes. Yes! Regardez les gars. Vous voyez, en fait, c'est un top simple à manches longues. Mais en fait, le détail de ça, je trouve que ça fait hyper classe, en fait, tu vois. Parce que d'habitude, on a l'habitude d'avoir juste, tu vois, le rond ici, tu vois, genre mode super classique et tout. Mais, comment je me baisse comme ça? Mais en fait, là, ça donne vraiment bien. Et ça a coûté quoi? 15 balles. La matière. Yes, je valide la matière, vraiment super agréable, super douce et tout, franchement parfait. On a cette robe toute simple qui est noire avec ses détails. J'aimais bien parce que bon, chercher une robe noire et je me suis dit une robe noire courte, bien sûr. Franchement, des robes noires, j'en prends tout le temps, mais je sais pas, je m'en lasse jamais. Je trouve ça vraiment, c'est un truc à avoir dans sa garde-robe. Et ouais, voilà, on est juste avec des bottes, des baskets, genre en mode. Avec une robe noire, tu peux vraiment genre tout faire. Bon les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. So, ça m'a fait hyper plaisir de la tourner en tout cas. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Vous commentez jamais. Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que vous êtes quoi? Vous êtes comment? Commentez au moins un petit commentaire. Je vais essayer les gars, je vais faire de mon possible pour faire plus de try and haul. Je vous montrerai plus mes tenues du jour. Et ça, ce sera plus dans les shorts. Vraiment aimez beaucoup la vidéo. Aimez la vidéo à fond les gars. Aimez, partagez. Il faut que la famille elle grandisse. Ça stagne un peu trop là en fait. Il y a une période où je gagnais grave des abonnés et tout. Maintenant genre ça va. Petit, non, il n'y a pas de ça, partagez à fond les gars, il faut que la famille elle grandisse, partagez sur les réseaux, partagez sur Facebook, sur Snap, sur Instagram, même sur TikTok, partagez, il faut qu'on grandisse, ok? Ouais, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, prenez soin de vous, c'est super important, et ouais, je vais vous dire à la prochaine, bye bye, bye bye.